une séance parfaite pour reprendre la natation. Dans cette vidéo, je vais te décrire une séance pour reprendre la natation après l'été ou après une longue pause. Cette séance, tu peux la répéter en boucle et tu peux la décliner selon ton niveau et tes envies. Mais en gros, la trame de cette séance sera super intéressante à respecter. Chaque mercredi, je développe des exercices ou des séances complètes en natation. Alors, n'hésite pas à t'abonner pour retrouver toutes nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, séance spéciale rentrée. On est parti. Alors, la première chose que tu vas faire, c'est t'échauffer. Et on va mettre un thème à notre échauffement. Au choix, niveau initiation, niveau intermédiaire ou niveau avancé, tu feras 200 mètres ou 400 mètres ou 600 mètres pour les plus avancés d'entre vous. L'idée, c'est nage au choix et faire les plus longs coulées possibles. Donc, on va venir créer des bonnes habitudes dès le début de notre reprise en essayant de forcer sur les coulées. Donc, pour niveau initiation, c'est 200 mètres au choix. Niveau intermédiaire, 400 mètres. Niveau avancé, 600 mètres. Deuxième partie de cette séance, on va essayer de nager avec des grands mouvements en amplitude max ou même en crawl hésitation. Pour les personnes de niveau initiation, ce sera 4 x 50. Les personnes de niveau intermédiaire, 6 x 50. Les personnes de niveau avancé, les compétiteurs, 9 x 50. Crawl, amplitude max, hésitation. En gros, l'idée, c'est je vais dégager loin derrière et je vais marquer une hésitation de mon bras hors de l'eau, de son trajet, pour pouvoir être capable de solliciter ma force sur la prise d'appui, mais aussi mes battements pour accompagner la glisse et être capable de faire très peu de coups de bras en crawl hésitation sans dénaturer la nage. Répète tes 50 avec 15 secondes de récup entre chaque 50. Compte le nombre de coups de bras que tu fais par 50 et essaie d'en faire le minimum. Une fois qu'on s'est habitué à nager avec peu de coups de bras, on va s'habituer à nager vite. 4 x 25 pour les niveaux initiation, 6 x 25 pour les niveaux intermédiaires, 8 x 25 pour les niveaux avancés, sprint. Tu vas nager le plus vite possible sans réfléchir, tu vas poser le cerveau et tu vas juste essayer de décoller dans ta nage. Récup minimum 30 secondes entre chaque 25, maximum 45 secondes pour repartir avec un maximum de fraîcheur à chaque nouvelle longueur. On a fait notre échauffement, notre travail technique, notre travail de vitesse. Maintenant, il va falloir faire un travail de volume. Rappelle-toi, cette semaine, j'avais fait une vidéo sur comment faire une bonne reprise de natation après des vacances ou après une pause. Donc, on va essayer de suivre la même trame pédagogique en mettant du volume dans notre entraînement. Pour les niveaux initiation, ce sera 4 fois 100 mètres crawl bien nagé. Niveau intermédiaire, 6 fois 100 mètres crawl bien nagé. Niveau avancé, 10 fois 100 mètres crawl bien nagé. Récup 15 secondes max. L'idée est d'essayer de trouver des bonnes sensations, glisser, marquer un temps d'arrêt devant, activer vos battements, inspirer tous les 3 coups de bras et surtout respecter les distances. On fait 4 fois 100, donc on finit le 100 mètres. 6 fois 100, on finit chaque 100 mètres et on respecte les 15 secondes de pause. 10 fois 100, même principe. Alors, je sais que pour certains d'entre vous, c'est un entraînement qui va vous paraître difficile de faire 4 fois 100 mètres. Mais si vous voulez rapidement atteindre ce niveau, vous pouvez rejoindre mon pack Endurance. Le lien est dans la description et vous avez accès à une promotion cette semaine. Allez, pour les plus courageux, dernière série, on va intégrer du 4 nages à notre séance. On terminera par 3 fois, 6 fois ou 8 fois 100 mètres 4 nages avec pap, dos, brasse en amplitude max et crawl rapide. Marquez 20 à 30 secondes de récup entre chaque 100 mètres. On terminera par 200 au choix. On terminera aussi par le pouce bleu en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et marquez-moi en commentaire si vous allez choisir le niveau initiation, intermédiaire ou avancé. C'était Malcolm, je vous dis à très vite. Ciao.